C'est quoi la question? Selon vous, que manque-t-il à votre ville? Toi, qu'est-ce que t'aimerais bien avoir dans ta ville? Plus de monuments. De monuments? Mais qu'est-ce que t'aimerais avoir, la tour Eiffel? Bah oui. Selon vous, pourquoi les loisirs peuvent être bénéfiques pour les enfants? Pourquoi t'aimes bien faire le coucher? Parce que les choses viennent. Ouais, toute la création, toutes les choses, ça te détend. Ouais. Bah, non, mais faut dire. Pensez-vous que les écrans sont néfastes? Pourquoi? Bah, si on passe trop de temps, genre 6 heures par jour, bah là c'est sûr que non. Non, c'est tu pas... penses qu'on peut devenir accro? Oui. Complètement addict aux écrans. Il y a plein de youtubeurs sur Twitch et tout qui sont accro. C'est pour ça que ma mère m'a envoyé ici. Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt? Moi? Tu dis ce que tu veux. Oui. Ouais, tu penses que ouais? Toi, tu dis, grandir sans écran. T'aurais pas fait ça, ouais? Serait-ce difficile pour vous de vivre sans écran? Pourquoi? Bah... Au moins, ça t'occupe? Bah ouais, ça nous occupe. Ah, mais ce serait difficile, t'arriverais à vivre sans écran? Non. Ouais. Un peu, oui. Si, hein. Ouais, tu penses? Les autres? Oui. Vous arrivez vous? Moi, oui, mais... Oh, oui. T'es sûr? Ah, il y en a pas ça, quoi. Oui, moi. Ouais. Oui, un petit peu. Oui, pourquoi? Non, beaucoup. Bah, des fois, moi, ça m'abîme les yeux. Ça abîme les yeux, ouais. Surtout, ça donne mal à la tête. Ouais. Ok, donc vous pensez que oui, il y a des côtés néfastes? Oui. Ok, autre question. Liz, tu tires la question. Les écrans, décidément. Moi, je suis pas écrans. Sérieux. Difficile pour vous de vivre sans écran, pourquoi? Alors, Oui. Moi, quand je pars en vacances, il n'y a jamais de télé. Bah, moi, ouais, toute ta vie sans écran? Oh, toute ma vie, non. Non, jamais. Aussi, oui. Jamais. Donc, vous, ça vous paraît impossible de vivre sans écran? Ouais. Non, quelques jours. Quelques jours, c'est vivable, mais tout le temps, non. Moi, c'est okay. Une seconde, je suis sur le télé. Ok, Timéo, vas-y. Oh. Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt? Oui. Vous pensez que vous êtes habitués aux écrans trop tôt, vous? Oui. À quel âge à peu près vous avez eu un portable? Est-ce que vous avez un portable? Oui, moi j'en avais un, c'est l'ancien de mon père, mais il est tombé dans le lac. Quand okay. J'ai fait la pêche. Déjà, c'est pas mal, ne pas avoir portable déjà. Moi j'ai un téléphone. Mais j'ai une Switch. Par contre, j'ai une tablette, une télé. Une PS5. Moi je joue sur la console à papa. Voilà, donc vous avez tous les écrans, quoi. Oui. Ouais. PS5, téléphone. Mais moi je demande toujours à ma mère si je peux en prendre, mais elle me dit une heure pas plus. Vas-y. Tu veux que je lise? Vas-y, Solène. Alors, selon vous, pourquoi les loisirs peuvent être bénéfiques pour les enfants? Est-ce que vous pensez que les loisirs, du coup vous qui faites tous du sport pour le coup, vous pensez que c'est bénéfique pour vous? Bah oui. C'est bien de faire du sport. Pourquoi? Parce que c'est parce que à la maison quand on a... Moi je vois du rugby chez moi. Moi quand il fait hyper chaud je peux pas bouger, mais quand il fait hyper froid je peux bouger. Ok. J'aime bien bouger quoi, j'aime pas être comme ça. Toi Maëlle. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien le sport? Oui. T'aimes bien le sport, t'aimes bien bouger. Faut que tu bouges tout le temps. Danser du coup. Tout le temps. Ça. Alors, que pensez-vous de votre ville? Alors moi c'est un village. Ouais, ton village, qu'est-ce que tu penses de ton village alors? Bah moi j'aime beaucoup parce que c'est au calme. Et il y a beaucoup d'animations le soir et dans la nuit. C'est quel village? Verzy, le sait. Ok. Voilà. Parce qu'on habite là-bas. On habite toutes les deux là-bas. Et toi, Lise, du coup, t'aimes bien? Bah oui. Vous préférez Aurélie vivre dans une grande ville ou est-ce que... Non, maintenant j'ai envie d'avis. Non, elle a trop de voiture. Avant, j'étais en appartement avec mes grands-parents, je venais dormir, j'arrivais pas à dormir.
Ah non, avec le bruit des voitures, c'était impossible. Oh, au revoir. Au revoir. Que pensez-vous de votre ville? Vous aimez bien votre ville? Bah, oui. C'est qui habite dans un village? Ah, un village. On habite ici. Un village? Ah, vous habitez. Ouais. Toi, c'est oui. Pas oui. C'est pas. Vous préféreriez vivre dans une grande ville ou rester ici? Non, je suis ici. Je suis ici. Pensez-vous que les écrans sont néfastes? C'est à dire qu'ils sont mauvais pour vous? Bah oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais si on joue excessivement, sinon je pense une heure c'est. Ouais, oui, okay. Une heure par mois, c'est bien. Ouais, moi 50 minutes. 50 minutes? Ouais. Ouais, 50 minutes, c'est quelques secondes, peut-être 2-3. Ouais, ok. Donc, oui, ils pensaient que c'est néfaste, juste faut pas. Oui. Ok. Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt? Oui. Moi je dis oui parce qu'il y en a, ils ont 4 ans, ils ont des PlayStation 5 et ils tout. Ont des téléphones à 4 ans. Ouais, et puis même, il y a un youtubeur, il a 5 ans, il joue à Call of Duty. Okay. Mais après, pour moi, ça dépend des parents, quoi, de l'éducation. Ouais, oui. Après, c'est pas ça dépend si les parents. Tu peux avoir un écran jeune, mais si les parents ils gèrent, ça va. Ouais, s'ils si gèrent pas, si les parents si sont c'est pas après, ça dépend. Ok. Ouais. Mmh. Mais de là, avoir un tel à 4 ans, non, faut pas abuser. Moi je l'ai eu, j'avais 10 ans. Bon, j'avais 8 ans, 9 ans. Que pensez-vous qu'il manque à l'école? Rien. Je sais pas, des remplaçants quand il y a des profs absents, il n'y a jamais de remplaçants. Genre nous, la prof de français, elle était pas là pendant 3 mois parce qu'elle était enceinte et on a pu français jusqu'à la fin de l'année. Ah ouais. C'est un petit problème. Ok, donc des remplaçants. Pensez-vous que les loisirs peuvent être néfastes? C'est négatif. Il y a des loisirs qui peuvent être néfastes. Oui. Ouais, je pense oui. Lesquels alors, pourquoi? Ah, l'athlétisme, Quentin, parce qu'il faut vraiment prendre des trucs et tout pour être plus performant. Faut se doper par exemple. Ouais, t'es pas obligé de faire ça. C'est Dans l'excès? Ouais, voilà, dans l'excès. Ok, ouais, ok. Ah, ok, je vois ce que tu veux, c'est pas mal. Genre, tu penses qu'il y a certains loisirs qui te poussent tellement loin que. Ouais. Ouais, après, c'est plus long pour ta santé. Ouais. Ok. C'est super intéressant. Merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir à la caméra. Que pensez-vous qu'il manque à l'école? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il manque à l'école? Il y a de la place. La place? Ouais, la place. Des bancs et des tables. Ah oui, des bancs. Ah, vous êtes beaucoup dans votre école? 500, je crois. Ouais. Par classe, vous êtes combien? Moi, je suis 26 dans ma classe. Ah ouais, donc ouais. 20. Minimum 20 dans chaque classe. Ouais, ouais, d'accord. Selon vous, le style de vie est-il le plus avantageux dans la grande ville? Je pense que vous êtes dans une grande ville ou dans un village? Dans une grande ville. Pourquoi? Parce que on voit plus de personnes. Il fait plus beau en général et le bateau et tout ça c'est. Ah il y a plus ok ouais. Il y a plus d'accès de. C'est plus cher souvent dans les grands villes aussi. Ouais vous en pensez quoi alors? Bah moi je préfère vivre dans un village parce que on est moins serré, les maisons ils sont pas collées tous entre elles. On habite souvent à côté. Il y a des jardins. Des jardins, on peut avoir un grand jardin, une grande maison. Il fait bah, il y a beaucoup de soleil. Pensez-vous que les loisirs peuvent être néfastes? Non. Pour toi, ça peut être néfaste? Ok, les autres, vous pensez quoi? Je vais pas nous adresser. Ça peut être néfaste si ça commence à être dangereux. Ouais, tu auras un énorme plaisir pour être dangereux. L'escalade en montagne. Ouais. Le rugby. Okay, ouais, oui, le rugby. Le foot aussi, c'est. Ça peut être dangereux, c'est vrai. Bah, le handball aussi, parce qu'on tire fort et s'il y a un gardien, et on peut tirer dans le gardien. Je suis gardien. Bah. Ah, t'es gardien? Ouais. Ah, le vécu, ouais. Pensez-vous que l'éducation est trop. Stricte. Aujourd'hui? Non. Non? Un peu quand même. Non. Ouais, quand même. Bah, ouais. Un peu.
En fait, ça dépend des profs. Par exemple, si c'est le français, ou c'est une langue importante, bah, ouais. Ils sont stricts parce qu'ils veulent nous faire apprendre. Mais si c'est l'art plastique, ils sont toujours sympas. Vu que l'art plastique. Mais avant, c'était plus sévère quand même pour l'école. Ouais. Avant, ouais. Parce qu'il y avait le bonnet d'âne, les règles, il y avait tout. Ouais. Moins strict qu'avant. Ouais, moins strict qu'avant. Ok. Et à la maison, les parents, par exemple. Non, ils sont gentils. Ouais. Pas forcément les vôtres, mais les parents en général, vous pensez. Bah oui, ils sont plus gentils parce qu'avant quand même. C'est pas pareil. Quoi. Ouais, ouais. C'est pas... On est d'accord. Vas-y, Arthur. Loisir. Si vous pouviez faire un loisir, lequel choisirez-vous ? Pourquoi ? Voilà. Du coup, tu les fais déjà tous. Mais oui. Un que tu fais pas, t'en as pas un? Au pire, dans ce que tu fais. Le canyoning. Le canyoning? Ouais. C'est genre un canoë, tu sais pas. Non, en fait, on monte dans les montagnes et tout, et après, on peut faire des sauts, des toboggans ou des descentes en rappel. Okay. Ok. Et vous? Il n'y a pas un truc où vous dites que ce serait cool de faire? Bah, le foot. Le foot. Le foot? Le handan, oui. Le bateau mouche. Ah ouais, bon. Pensez-vous que les écrans sont néfastes? Pourquoi? C'est ce que ça veut dire néfaste? Non. Mauvais, négatif. Oui. Ok, pourquoi? Bah, ça abîme les yeux, par exemple. C'est vrai. Déjà, vous êtes d'accord, pensez que c'est mauvais? Oui. Parce que ça abîme le cerveau aussi. Le cerveau? Et ça peut effacer tout ce qu'on sait. Oui, donc vous pensez tous que c'est néfaste, tous que c'est mauvais. Oui. D'accord, mais vous êtes tous sur les écrans. Oui. Moi, je regarde un petit peu quand même. Ouais, bon, des regarde. Des fois, j'en regarde des grands, mais je regarde la fin plus tard. Mais tu penses que c'est mauvais? Mais ma télé, ça peut être mauvais. Oui. Ça peut être mauvais, ouais. C'est pareil que les jeux vidéo. Si t'allumes pas la lumière. Ah non, les jeux vidéo, c'est. Ouais, c'est vrai, il faut pas jouer dans le noir. Oui. Il faut pas jouer quand t'es fatigué, il faut faire des pauses. Ah, j'ai vu le petit message du début. Bah, c'est bien. Ok, autre question. Si vous pouviez faire un loisir, lequel choisirez-vous? Pourquoi? Je peux faire n'importe quoi. C'est genre un sport, une activité. Le foot, tu t'en fais déjà? Oui. Ouais, alors pourquoi? Bon, parce que. Ça se joue au pied pour faire des petits dribbles, des c'est passes. C'est pour te la péter en fait. Ouais. Pour... et jouer collectif aussi. Ah oui, très important ça. Oui. Vous, ce serait quoi? Moi je sais pas. Question pour un champion. Oui. Attention, tu pourrais faire question pour un champion? Oui. Pour gagner des millions. Et moi je pourrais faire Koh-Lanta aussi. Oh, moi Pékin Express. Fort Boyard, oui. Oh, Pékin Express. Comme les vilaines. Oh, moi j'aimerais bien faire quoi? Pékin Express. Tu sais pas? Tu voudrais pas, par exemple, je sais pas, faire du cheval ou. Je sais pas. J'aimerais bien faire du cheval. Ah, ouais. Voilà. Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt? Oui. 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 Vous-même, vous êtes. Oui. Ah oui, c'est marrant parce que vous en rendez compte. C'est mais... quasiment tous les... En fait, c'est quasiment tous les jours. En fait. Mais en fait, j'ai eu ma course à 4 ans. Et... Moi, j'ai eu 6 ans. Que pensez-vous de la situation actuelle concernant l'environnement? Alors, ça, est-ce que vous êtes un peu au courant ou pas? Moi, je suis pas. Vous avez bien entendu les des choses. Les déchets par terre. Et les sources. La pollution, la déforestation. Tout à fait. C'est vrai que les animaux, après, les coques, c'est quelque chose à manger, mais non, c'est du plastique. Je vais dire un truc, mais je sais pas. Vas-y. Si c'est ça. Le prix de l'essence. Alors, le prix de l'essence. L'essence, l'exploitation du pétrole, au fond, c'est pas très bon pour l'environnement. Parce que l'essence, du coup, on met dans les voitures, et les voitures, ça pollue. Ça dépend. Bah oui, les électriques. Et les vieilles voitures. Ouais, les vieilles voitures, elles polluent plus généralement. Oui, ça pollue énormément, et les voitures, la mer, elle pollue pas. Tout à fait. Donc vous pensez, alors,
sais pas si vous entendez beaucoup. Après, ça serait tellement de votre âge, tout à l'heure. Vous entendez beaucoup de. Il y a un problème avec l'environnement. Oui. Vous entendez beaucoup à l'école, à la télé. C'est vrai qu'à la télé, j'en ai à la télé. Moi, je n'entends qu'à la télé, pas à l'école. Pas à l'école? Non, pas à l'école. Ah, bah alors. À l'école non plus. Mais bah, on va vers la mer. Avant, je l'entendais, maintenant, je l'entends pas. Des fois, quand je me promène, je vois des déchets par terre. Mais oui, et ça, normalement, ça ne devrait pas arriver. Parce que ça pollue la planète. Tout à fait. Il faut en prendre soin. Parce qu'on en a qu'une. Tout à fait. On est connecté, Hugo. On est connecté. Et il y en a qu'une et il n'y en a pas deux. Par exemple, en Chine, même avant qu'il y ait le Covid, ils portent déjà les masques. C'est vrai. C'est bien, vous êtes capable. Et ils ont pas dit ton malade. C'est soit en Chine, c'est soit au Japon où ils portent que des masques, même à la maison, je crois. Ouais. Pensez-vous que l'éducation est trop stricte aujourd'hui? Pas du tout. un petit peu. Un petit peu. Bah, ouais. Quand tu regardes les autres trucs, ils mettaient des coups de règle et tout, nous. Ouais. Vous pensez que vous êtes chanceux de vivre. Oui, comme oui, ouais. pas à l'époque, parce qu'avant, vu la violence que c'était. C'est bon, j'ai une baguette. Selon vous, le style de vie est plus avantageux dans les grandes villes? Moi je dis oui. Moi je dis pas forcément. Moi je dis oui parce que y a un truc. Non, parce qu'il y a trop de pollution, mais oui parce que t'es plus proche des magasins, tout ça. Ouais. Donc t'as besoin de moins faire de déplacement. Mais ce serait quoi les avantages de vivre dans un village alors? T'es plus tranquille et tu peux voir plus tes potes parce qu'il y a moins de, moins de voitures. Ouais. Là, tu peux vite te retrouver puisque c'est tout petit. Que pensez-vous de la situation actuellement concernant actuelle concernant l'environnement? Des choses que vous avez entendues. À l'école, on vous en parle un petit peu? Non. Très peu, on nous dit oui, il faut pas faire ça, ça pollue. Bah, on dit plus, mais pas très beaucoup. Du coup, est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de l'état actuel de l'environnement? Ouais, ou c'est très pollué. Ouais, vers plus la nature, parce que. Ouais, parce que un jour, j'ai été faire une randonnée avec ma belle-mère, bah, il y avait que ça en fait. Que des. Même il y en a qui jettent des trucs bêtes, non, ça coule dans les arbres. N'importe quoi, il y a des déchets partout, des trucs chimiques. Dans la mer, tout ça, t'as pas vu, ouais. Bah, ou en Chine ou au Japon, la pollution, là, pas beaucoup de la pollution. Maritime, tout ça, mais il y a aussi la pollution dans l'air. Ouais. Avec les usines, tout ça. Les éoliennes. Les éoliennes, ça sert à justement porter la pollution un petit peu. Ouais, voilà. Ouais. Non. Ouais. Pollution visuelle. Voilà. Alors d'abord, Léana, tu veux parler de quoi toi? Ma ville. De ta ville. Alors déjà, est-ce que t'aimes bien ta ville? Oui. T'aimes bien ta ville? Pourquoi t'aimes bien ta ville? Parce que c'est joli, il y a plein d'activités. Et c'est très joli, il y a plein de gens, il y a de tout là-haut. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il faudrait rajouter des petites choses à cette ville? Non. Elle est parfaite? Oui. C'est vrai? Donc tu penses pas qu'il faudrait rajouter, je sais pas, un château en plein milieu Non, un petit cheval, non. Des chevaux? Oui. D'accord. Moi je dirais rien. Rien du tout. D'accord. Louisiane, tu veux choisir quoi dans tout ça? Environnement, la nature. Qu'est-ce que tu fais quand tu as un papier à la main? Qu'est-ce que tu en fais quand tu n'en as plus besoin? Tu le mets, tu le jettes comme ça dans la rue ou tu le mets dans une poubelle? Je le mets dans une poubelle. Et qu'est-ce que tu penses des personnes, des adultes, qui jettent plein de lits, plein de déchets dans la nature? Je trouve que c'est pas très bien. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bah, ils doivent ramasser et jeter à la poubelle. Mais une fois, dans un gros trou, j'ai vu une piscine. Ah bon? Elle avait été jetée là?
tétée de beignet. Non, elle est plutôt, et puis en plus elle était toute sale. Mais de la ramener dedans, ça se trouve. Hein. D'accord. Et l'eau, on peut l'utiliser comme on veut ou il faut faire attention? Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que après, s'il y a trop d'eau. Je sais pas ce que ça va faire, mais. Vous savez ce que c'est la sécheresse? Non. Quand il n'y a plus d'eau dans quelque part. C'est tout sec. Et il n'y a plus de tortues, des poissons, des dauphins, des baleines, des requins. Et aussi des mémos. Et vous savez ce qui se passe quand on jette des plastiques comme ça dans la nature? Oui. Vas-y. Parce qu'en fait, c'est pas bien pour les animaux qui sont dans la nature. Et puis sinon, après, ils vont être malades. Ils vont avoir des trous dans la gorge. Non. J'ai déjà vu une tortue avec une paille dans le nez. Et il y en a qui l'ont essayé de retirer la paille, mais elle saignait du nez. Elle avait mal. Donc il faut pas jeter les plastiques. Non. Sinon, après, les animaux, ils sont morts. C'est bien. Merci. Franchement, et toi? Même à la radio? Je sais. Ouais, ça chasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.